Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue pour la cinquième partie de Resident Evil 7. On s'est arrêté dans cette petite caravane, sur ce petit lit donc très douillet. On a piqué un petit somme, on a attendu donc un petit peu, on s'est bien reposé. Parce qu'à mon avis là, ce qui va arriver dans cette partie va être absolument horrible. On n'est plus du tout dans le manoir. Aïe 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 aïe. Ok, donc, eh bien écoutez, j'avais oublié de vous dire dans cette caravane qu'il y a ici un magnétoscope. Mais on n'a pas la cassette, donc on ne va pas pouvoir visionner de flashback, donc tant pis. Et écoutez, eh bien continuons, on va sortir de la caravane. Et le téléphone sonne ! Zoé, du coup. T'arrives. Zoé ? J'avais jamais vu quelqu'un arriver aussi loin. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Et ça va m'aider à sortir d'ici ? Oui, écoute-moi attentivement, Ethan. Ma famille et moi, nos corps sont contaminés. Je ne peux pas quitter la résidence tant que je suis infectée. Et c'est pareil pour Mia. Ah. Est-ce qu'il y a un antidote ? Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Du moins, tant qu'il n'est pas trop tard. D'accord. Où est-il ? Si je le savais, je serais déjà partie d'ici. Mais je crois que ma mère l'a caché quelque part dans la vieille maison. Donc si on le trouve... Je pourrais aider Mia et on pourra sortir. Oui. Et moi aussi. La vieille maison est au bord de l'eau. Tu ne peux pas la rater. Ok. J'espère que tu pourras échapper à ma mère. Ta mère ? Sois prudent. Ils vont être après toi. Ok, donc après le père, eh bien on va se taper la mère. C'est plutôt cool. Ok, donc il faut qu'on aille à la vieille maison. Et du coup, dans mes souvenirs, la porte était fermée. Donc je sais pas du tout comment on va faire... Pour y rentrer, ça m'intrigue un petit peu, attendez. Est-ce que ça va être ouvert ou pas, là? Ah oui, c'est ouvert, ok, nickel, bon. Bah écoutez, les crocs, allons-y. Je suis pas trop détendu, là, à l'heure qu'il est, mais... Mais ça devrait le faire, hein. Je pense qu'on a connu pire. À moins que la mère est pire que le père, ça ne sait pas. Oh, putain, mais... Yes. Oh, des cafards. Ok, on vient de ramasser. Je vais mettre le fusil à pompe en favori. Voilà. Oh bah écoutez, rentrons. J'entends des bruits très bizarres derrière cette porte. Ok, c'est des insectes. C'est des insectes. On va prendre le couteau. Comme ça, si jamais ils cassent les couilles, eh bien on les coupe. Oh la vache. Oh, dégage. Oh, c'est... Putain. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, no stress. Succès déverrouillé, à couteau tiré. Ok, donc on va se taper des insectes dans cette vieille maison. J'imagine. Alors, j'ai ramassé quoi, là? Combustible solide, matière solide, inflammable, qui brûle intensément une fois allumé. Ok. Bon, allons-y. Oh, putain. Putain de saloperie! Lâchez-moi! Ah! On se calme. Putain, ce mannequin m'a fait trop flipper. Enfoiré. Ok, on continue. Alors, je n'ai pas de crochet, on peut pas crocheter ça. Ici. Allez, un peu de munitions. Combustible solide, encore une fois. On en a deux, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. Alors, on va essayer d'aller là. Encore un insecte. Salopard! Tiens, regardez, c'est là où on était avec Mia dans la course-poursuite absolument dingue. C'était sur ce petit pont là-bas et nous, donc, nous sommes ici. Putain, mais c'est immense! Attendez. Alors, ici, il va peut-être nous falloir une clé pour essayer de passer dans cette petite cabane là. Ok, on peut pas y aller pour le moment. Très bien. Bon, on va aller par là. C'est juste fou cette... Cet endroit là, la vieille maison. Salopard! Salopard! Allez, on y va. De l'herbe, parfait, je prends injecteur. Un injecteur, à quoi ça va nous servir ce truc? On dirait que ça peut être combiné avec autre chose. Alors peut-être est-ce que je peux le combiner avec ça? Non, pas du tout. Bon, on va le garder. N'empêche, c'est super cool de pouvoir changer d'endroit comme ça. Je pensais vraiment que tout le jeu Resident Evil 7 allait se passer dans le manoir, mais pas du tout. C'est vraiment de la merde, ça! Putain, mais tu peux pas les avoir, en fait.
À moins que je le retire dedans. Mais non. Putain, je viens de niquer 3 balles, génial. Faites pas chier. Laissez-moi crocheter ça. Allez. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Un remède. Putain, mais non, mais mec. J'ai trop de remèdes. Ah tiens, on va l'utiliser. Ah non, on peut pas. Si, on peut. On va se soigner un petit coup. Qu'est-ce que... Ah! Putain, c'est des araignées, j'avais pas vu. Alors, à mon avis, si on reste logique, va falloir un espèce de lance-flamme pour cramer ces bestioles. Et pour l'instant, le lance-flamme, on l'a pas, donc ça fait un peu chier. Écoutez, on va continuer par ici. On va s'armer de notre flingue parce que j'ai pas du tout confiance. Ok, donc là, on se retrouve clairement dans le flashback de Mia. C'était clairement ici. Saloperie! Plan de la vieille maison, parfait. Go, 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 go. Mais putain! Eh, mais ça, en réalité augmentée, ça doit être tellement flippant. Enfin, ça doit être tellement chiant aussi. Alors ici, on se retrouve donc avec l'énigme qu'on avait fait dans le flashback, sauf que là, on n'a plus du tout la... bien, cette espèce d'araignée, là. On l'a plus, fallait faire... Ouais, voilà, fallait faire une araignée ici. Sauf que le chemin a été rebouché. Ok. Oh, brûleur! Je l'ai! Yes! Yes, yes, yes. Alors, on va mettre ça là. On va le combiner. Logiquement, je peux combiner ça avec ça. Voilà! Yes, on a enfin le... le lance-flamme. Yes! Alors, à quoi il ressemble? Ah ouais, putain. Ah là, ça va être énorme. Ah, ça va être énorme. Ça sent le barbecue, là. Je sens qu'on va bien manger. Oh, un sac. Un sac? Vous pouvez maintenant transporter plus d'objets. Oh! Oh oui! Parfait. Putain, pile ce qu'il me fallait. Pile poil ce qu'il me fallait. Énorme. Eh bien, écoutez, on va faire une petite sauvegarde. Et on est reparti pour notre folle aventure. Dans ces espèces de marécages boueux et dégueulasses. Alors maintenant j'ai le lance-flamme, donc là ça rigole plus. Elle est en haut, n'y va pas. Oh putain, on a carrément un espèce de message là sur le mur. Ok. Alors on va... Hop. Allez hop, dégagez salopard. Ça on va le brûler. Parfait, on va pouvoir l'ouvrir maintenant. Et on a du fluide chimique et du fluide chimique fort. Ok. Et attendez, est-ce que ce serait pas le... est-ce que ce serait pas la cheminée là? Avec le trésor, attendez. Souvenez-vous, dans la partie 4, on avait ramassé un trésor qui montrait une photo de cheminée. Et j'ai l'impression que... eh bien... que c'est là, non? À moins que je me trompe, je sais pas. Pièce antique, parfait. C'est ce qu'il me faut. Ouh là 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 là. Statuette en pierre. Oh Mia. Oui. Maintenant ça suffit Mia. Je veux des réponses. Je sais, tu as raison. Elle a été guérie de... de la blessure. Je me souviens que d'une partie, le reste s'est envolé. Oh ça dérange. Juste une minute. Bah écoute, vas-y fils. Fais quelque chose. État de secours. Merde. Alors là, je suis assez surpris parce que je m'attendais à voir la mère et on voit le fils. Fils le corps. Fils. Ok, donc elle peut invoquer les insectes. C'est une malade. Ouh, saloperie. Je veux rentrer. T'es où, mama? Oh putain, on dégage. Wow, 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 wow. Est-ce qu'on peut la cramer? Attendez. Ouh là. Vite, statuette. Alors, putain, va falloir refaire l'araignée là, ils sont sérieux? Yes! Yes! C'est bon. Ok, go, 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 go. On perd pas de temps. Ok, donc la maman est...
Et protégée contre le feu, hein, on ne peut pas la cramer. Hein. J'ai tenté... Putain, qu'est-ce qu'il fait sombre, là? Oh, il y a des vers. Ah, c'est dégueulasse. Merde, merde, merde. Oh, putain. J'imagine même pas en réalité augmentée avec un casque ce que ça doit être. Ça doit être l'horreur. Ça doit être totalement l'horreur. Ok, c'est nickel. On est passé de l'autre côté. On va ramasser cette petite herbe. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Une petite pièce antique, non? Combustible, encore une fois. J'en ai trois, je sais pas encore à quoi ça sert. Ah, attendez. Ah, mais ça sert à faire du feu. Alors, il y a une porte corbeau ici. Donc, comme je vous l'avais dit, on n'a pas la clé corbeau. Donc, on va pas pouvoir y aller, malheureusement. Allez, mama! C'est entre toi et moi, là. Alors, on arrive au... On arrive à la fin du flashback. Avec Mia, c'était ici qu'elle s'était faite choper. Manivelle. Très bien. Ok, on a la manivelle, je sais absolument où il faut la mettre. Donc, on y va. Oh putain. Salopard! Dégage de ma vue, enfoiré. Allez, on monte. Et là, en fait, ce qu'il faut, c'est... Attendez, à moins... Non. Il faut tous retaper en arrière. Ok, super. Putain! Oh, putain de merde! Vite! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh putain! On fonce! Oh! Ferme, 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 ferme! Yes, un coffre! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La clé corbeau! Une pièce antique! Je veux la... Donne-moi la pièce! Yes! Attendez, j'ai ramassé 50 000 trucs. On va se soigner. L'inventaire est plein. Alors c'est cool parce que j'ai ramassé un sac pour gagner des places et j'ai quand même un inventaire plein. C'est totalement ouf. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Putain, il me reste plus qu'un remède. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Ça, on va le jeter, je crois. Ça, on va le jeter. Voilà. Parfait. On est bien. Allez, on prend la clé corbeau et là, à mon avis, ça va chier les crosses parce que regardez, on a une porte ici, une porte corbeau. Donc c'est là qu'il faut aller. Il faut juste tous retaper avec la vieille. Donc on prend le lance-flamme et on fonce. Allez, on est reparti. Mamie! Waouh, 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 waouh! Tiens, saloperie! Oh putain, vite! Ok, donc on y est, la porte corbeau est juste ici. Je t'ai dit, ah, pas s'approcher d'ici! Quel conne! Oh non, 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 non! Ok! Super! Elle va pas descendre avec moi, alors là, non. Dégage! Putain, je suis bloqué, je peux rien faire. Ah merde, faut que je recharge. Merde, 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 merde. Allez, recharge, touche, recharge. Putain de saloperie. C'est toi qui va crever dans ce trou, mamie. Allez. Voilà. Vas-y, viens. Eh hey, mais ils sont trop chauds à choper ceux-là. Voilà, c'est bon. Merde, il en reste un. Voilà, nickel. Les crèves. Chant PLS, mais je galère. Ah, elle s'est barrée. Elle est partie. Elle est partie. On remonte, on remonte, on remonte. Oh merde, connasse. Oh la conne. Oh oui. Oui. On monte, on monte, on monte, on monte. Saloperie. Alors elle a disparu dans la flotte. Je sais pas si elle est morte.
En tout cas, on va vite se barrer. On a une petite note ici. Zoé, tu as encore essayé de t'introduire à l'étage, n'est-ce pas? Tu pensais que je ne le verrais pas, même après ce qui est arrivé à Evelyne. Tu continues de parler de ce foutu remède. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec mon hôtel? Tu ferais mieux de ne pas mettre tes sales pattes dessus. Personne ne touche à mon hôtel sacré. Ok? Tu nous prends pour des imbéciles, ton père et moi, tu n'es qu'une sale petite ingrate. Je regrette de t'avoir mise au monde, toi qui es une moins que rien. Comment oses-tu nous mépriser et essayer de quitter notre maison après tout ce qu'on a fait pour toi? Ingrate, 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 ingrate. Si jamais tu t'avises de toucher à mon hôtel, je te promets que je te découperai la poitrine et que j'en ferai un rôti. Eh ben, tu m'invites en tout cas. Ça a l'air très bon tout ça. Allez, on va ouvrir ça. Donc, clé corbeau, parfait. La porte des crozes, que se cache-t-il derrière? On reprend le flingue. Ok, donc c'est juste l'hôtel de la mère. Un téléphone. Un espèce de coffre, on va l'ouvrir. What? C'est quoi ça? Un bébé momifié. À propos du sérum série, les ingrédients suivants possibles créent un sérum. Nerf crânien de série D, nerf périphérique de série D. Ça doit être ça. On l'a. Non, je reviens pas. On a le remède. Attends. Téléphone. J'arrive, Zoé. Alors? T'as trouvé le sérum? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. C'était bien relou, hein. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Ouais. Une tête de série D et un bras. Rock'n'roll, baby. Ça va pas être ça. Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le voir. Oui, je garde une tête chez moi, tout à fait normal. Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. Ok, donc Zoé nous attend à la caravane. J'ai vraiment hâte de la voir, en fait. Voir à quoi elle ressemble. Vu que c'est quand même une fille Baker, donc il faut s'attendre à tout avec Zoé. Attention, on va pas commencer à lui faire confiance. Ok, bon. Cool, on a la recette, donc. Pourquoi il y a... Il y a une lanterne ici. C'est la lanterne de la mère. Putain, elle est pas loin. Elle est pas loin. Pièce antique, parfait, je prends. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il nous faut un truc. La mamivelle, non. Alors, il va peut-être nous falloir donc la lanterne de la mère, si je comprends bien. Ouais, ça doit être ça. Bien, bien, bien. Bon, maman, il faut que je te retrouve. Tu peux me prêter tes lanternes, s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Bon, du coup, faut que je retourne en arrière, là. On prend le lance-flamme direct. J'ai besoin de la lanterne. La lanterne est en bas. Est-ce que vous avez vu ce bras super long? Vous l'avez vu ce bras? Ah, je déteste ça. Il y a eu un bras de genre 3 mètres qui a... Maman? Oh la vache. C'est spécial. Pourquoi tu marches comme une araignée bizarre? Ah non, là je suis vraiment en train de flipper, je déteste ça. Je déteste ça. Ok, on va monter cette échelle, mais je le sens vraiment pas, les crosses. Je vous le dis, là, honnêtement, je suis pas très rassuré. Ah, on remonte à la surface. Cool, on remonte à la surface. Ah, ça fait du bien. Alors, est-ce que si on va à la caravane, Zoé va être là ou pas? C'est la question. Non, elle est pas là. Ok, donc à mon avis, il va falloir aller affronter la mer tout de suite. Écoutez, on va le faire. On va le faire. Parce que je suis un ouf, ok? Et que j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble tout ça. Ça m'a l'air vraiment dégueu, hein. Wow, regardez-moi ça, comme c'est assez glauque là. Alors, à gauche ou tout droit? On va aller tout droit. Allons tout droit. Une photo. Des chiottes. Photo d'un trésor, d'accord. Donc il y a un trésor dans les chiottes. C'est bon à savoir. C'est très très bon à savoir, ça. Nope. Nope, 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 nope. Faut pas abuser. Oh, des plantes, parfait. Alors, à mon avis, il va y avoir un boss en dessous. C'est pour ça que là, à mon avis, on se prépare. On se prépare. Ouais, on va prendre un remède. On va prendre un remède. On va prendre un remède et écoutez, Cross, ben c'est parti, allons tuer cette chose qui ne ressemble plus du tout à quelque chose d'humain, hein, on va le préciser. Ça ressemble vraiment à plus rien, let's go. Ok, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est pas là.
elle est pas là, tout va bien. Tout va bien. Fermé. Champ total panique. Je sais pas où elle se trouve. On va recharger. J'ai pas trop de combustible, donc ça craint, je pourrais pas la... Ah ! Putain ! Oh putain la salope, j'ai... Alors mon cœur il va... Mon cœur va exploser. Mon cœur va exploser. Me voilà. Non non non, reste où t'es. Ah, putain, mais c'est des... Oh putain, dégage. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Wouah! 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 Fusil à pompe, direct. Putain, mais c'est dégueulasse! Dans ton cul! Je vais t'attraper! Vas-y, viens. Oh merde, elle m'a eu. Oh putain, elle est horrible! Allez hop, on n'en parle plus. Oh putain de merde, vite, 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 vite. Ah, faut tirer dans sa chatte, ok. Viens dans ton cul. Son cul, c'est son point faible. Oh putain, ok, on recharge tranquillement. Elle est où? Elle est en haut? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. On va aller en haut. Faut aller la buter, putain. C'est juste horrible. Ah, t'es dégueulasse. Ah, elle est en train de bouffer. What? Putain de merde. Ah, elle m'a bouffé. Je suis pas mort. Non, c'est bon, je suis pas mort. On va se soigner, on va se soigner, on va se soigner. Oh putain, elle s'est flippée. Elle est où? Elle est où? Tu te soignes pas cette fois, hein? Allez là! Coucou! Putain, elle se soigne! On l'a eu! Lanterne. Oh yes. Cartouche, oui. Oh, t'es gros, je suis obligé de m'arrêter là. J'en peux plus. On s'arrête là. Franchement, c'était trop horrible pour moi. J'ai eu du mal avec The Boss. J'espère que ça vous aura plu, les gros. Putain, cette partie de malade. On se retrouve pour la 6ème partie très bientôt. Dès demain. Merci encore une fois aux tipeurs et à votre soutien sur Tipeee. Merci énormément. Les gros, partez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.